attendre nous sommes on the wheel. Il y a des chansons qui étaient très très chaotiques comme Vous Portal, où j'adorais le couplet, les premiers accords, tout ce qu'il y a, et on a fait trois refrains et j'étais pas encore satisfait du refrain et on est arrivé à changer le refrain au dernier moment. Donc j'ai toujours eu un souci avec ce refrain là, avec ce truc hein, un peu trop poppy par rapport au reste de la chanson qui est grave. Pour l'instant, vous avez plus de refrain, c'est ça? Sur On The Wheel. Si, il y a le refrain dans cette version. Mais après, si ça devient un duo, est-ce que cette mélodie-là est assez? Ou est-ce qu'il faut en trouver une harmonie pour la deuxième personne? Est-ce qu'il faut une autre mélodie pour que ce soit une question-réponse sur le refrain? Est-ce que... Enfin, c'est peut-être plein de choses. Hein. Là, c'est tellement du bricolage ce que j'ai fait que c'est difficile de se rendre compte. Donc c'est pour ça que demain je vais repartir à zéro, faire une belle session toute propre pour faire On The Wheel 2. Il y a eu plein de passages sur ce pré-refrain. Une gimmick guitare qui est maintenant passée à la poubelle. On a mis Épine à Bouche à cet endroit-là qui n'était pas avant. C'est une autre grille. Voilà. Ce morceau évolue. I rise, I mine, I rise for your mind. Là, il se passe vraiment des trucs. Là, on est sur un truc puissant ici, la soft est puissant et puissant. Donc, ça plonge, alors que les notes sont plutôt pas mal. Donc, il faudrait essayer de faire cette partie-là, la mettre comme une deuxième partie de la chanson. Pas couplet-refrain. Mais avant, il faut que je redécoupe le couplet. Attends, donc on est sur... Faudrait mettre où on fait exactement la même chose, ou on supprime le bas. I've got a feel. Non, mais on fait exactement la même chose. Parce que ce qui est bien, c'est. Là, je peux relancer par rapport au texte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire un copier-coller deuxième couplet. J'entends sortir de moi, j'entends partir de là. C'est une sorte de vie. Bon, sinon, en 2003, c'est devenu un morceau qui est assez intéressant quand même. Comme d'hab, hein. L'autre, on l'écoute depuis le mois d'août, donc effectivement, c'est quand même. Voilà. Celui-là, il vient d'être fait, donc c'est nouveau. Donc déjà, le fait que ce soit nouveau, ça on n'est pas super, on n'est pas objectif. Et puis après, par contre, celui-là, oui, si on le garde, du coup, de toute la session qu'on a faite à ICP, on n'a rien gardé. J'ai fait des loops de tout, les loops de batterie, j'ai reprogrammé une batterie, j'ai reprogrammé une basse. Donc qu'est-ce qu'il faut réenregistrer? C'est une sorte d'envie que je découvrirai comme une sorte de défi et j'irai.